Bonjour à toutes et à tous, c'est Comar Guru. Je suis de retour dans Nio. Et comme je l'ai déjà dit dans mes deux précédentes vidéos, j'adore cet univers. Mais j'aime pas le principe du jeu. Parce que je ne suis pas un masochiste. Et que j'en ai ras-le-bol. Que on doive refaire 150 fois les mêmes choses pour avancer de 2 mètres. Comme vous le voyez, j'ai récupéré un arc. J'ai toujours mon grand Odashi, mais je vais le changer parce que il est génial, parce qu'il fait beaucoup de dommages. Vous voyez, j'ai une attaque de 119, mais c'est trop lent. Ensuite, j'ai looté donc un beau casque de samouraï. J'ai une armure de vaurien, une armure de ronin, bon. Et puis il se passe des choses. Il se passe le fait que là j'ai pu récupérer un peu d'élixir pour me soigner, mais c'est la galère. Et puis là où je critique réellement le jeu, là où ça me gave à un point que c'est pas possible, c'est qu'à chaque fois qu'on vient faire une sauvegarde, on fait un reset de la zone. Ce qui veut dire que si jamais on est blessé, si on meurt, bon, le fait de mourir et que ça resette la zone, on le sait, on est prévenu. Mais vous avancez, vous voulez faire une sauvegarde par sécurité, parce que on meurt tellement facilement, eh ben non, vous faites la sauvegarde, vous faites un reset. Et ça me gave, mais ça me gave, putain, c'est pénible. Voilà, alors je dois ouvrir la porte de l'autre côté, ce qui veut dire qu'il faut que je repasse par là. Alors, on est dans une zone où, vous voyez, on a plein de... Ah, tiens, j'ai oublié un truc. Bon, pire d'esprit. Je reprends. On est dans une zone où il y a beaucoup. Vous voyez, voilà, ils sont tous revenus. Je recommence. Je suis pas doué pour utiliser un truc, hein, le pouce droit, bon ça, j'ai jamais aimé ça, ça me gonfle. Et ce jeu on peut pas le jouer à la souris, c'est quasiment impossible. Comme je vous ai montré précédemment, il faut que je descende pour aller récupérer tout ça. Bon, il y a quelques pièces. Voilà, on récupère des choses. Des pierres. Ça, c'est un truc qui est ridicule. Bon, donc, on est dans une zone où, vous l'avez compris, on doit passer de l'autre côté. Sauf que pour passer de l'autre côté, vous voyez que on peut pas. On a qu'un endroit. C'est un jeu qui est corridor, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc j'adore ces jeux de samouraï, de bon. Alors à la manette, comme je vous l'ai dit, je suis pas doué. Mais ce qui me gêne le plus, voilà,
On a empoisonné. Et voilà. On n'a aucun radar, rien du tout. Donc on voit rien du tout. On ne sait pas où sont les ennemis. On a la caméra. Voilà, je regarde la caméra. Eh ben non, en bougeant, elle se remet derrière. Ça me gave. Je vous avoue que ça, c'est une chose qui m'énerve le plus. Bon, je suis... voilà. Évidemment, il y en a qui sont en haut. Donc... je suis en train de mourir. Heureusement que j'avais pu récupérer des... les élixirs, parce que sinon... je me souviens plus par où je suis passé à la fois. Est-ce que je peux le cibler d'ici? C'est trop loin. Je suis en jaune donc. On peut descendre par là peut-être. Je donne des coups de pied, c'est un skill que j'ai acheté, enfin, que j'ai activé. Et puis les commandes, on a 40 000 commandes à mettre en place. Bon, vous voyez que j'ai une armure qui est pas mal, heureusement, mais que je loot beaucoup de pièces qui sont vraiment inférieures, donc qui n'ont aucun intérêt, mais bon, on peut les transformer. Alors, les pierres d'esprit, voilà, ça donne des points pour prendre les skills. Donc j'aime l'univers, j'aime le jeu, mais alors c'est pénible. Et puis comme toujours, voilà, j'avance, je vais nettoyer la zone. Si j'ai le malheur d'aller se faire une sauvegarde, eh bien, je suis mort, il faut que je refasse tout. Donc c'est pénible, hein. C'est franchement pénible. Plus de flèches, bravo. Évidemment. Ça aurait été trop beau. Bon, j'en ai récupéré quelques-unes. Alors, faire attention parce qu'il y a des toits qui s'effondrent. Bon, bien évidemment, je vais descendre et je vais me faire attaquer. Parce que c'est rempli d'ennemis là-dessous. Et que je peux pas leur sauter dessus. Disons que je peux pas leur tomber dessus. Comme c'est possible. Mmh.
j'ai la direction où je dois aller. Mais... on n'a aucun radar, rien du tout, donc démerde-toi. Courir, mais en fait ça ne sert absolument à rien, parce que de courir ça va nous amener à un endroit trop rapidement et on meurt parce que les ennemis se cachent de partout. Il n'y en a qu'un là. Pourquoi j'ai les lames rouges? Parce que j'ai utilisé un parchemin. Voilà, on va rigoler parce qu'ils sont deux. Ah non, ils sont sur le toit de l'autre côté. Le problème, c'est que voilà, le parchemin est épuisé. J'aime bien l'animation du masque avec la respiration à travers. C'est pas mal, c'est bien fait, le jeu est bien fait. Mais bon, il y a ces petits soucis là, voilà. Je monte comment moi déjà? Comment j'arrive à monter là? Faut que je prenne un accès interne. La tour c'est trop. Ah, il y a peut-être une échelle quelque part. On va trouver. Une échelle comme... que je peux pas traverser de ce côté là. Par contre il est tout seul. Je vous ai dit, ce jeu c'est une catastrophe, c'est pas possible. Moi je suis pas un maso. Moi je veux jouer, m'amuser, mais pas mourir 40 000 fois, ça me gave. Ça me gave. Je comprends pas des développeurs. Bah oui, il y a une frange de la population qui aime ce genre de jeu, de mourir 4 millions de fois. Certains vont dire mais moi je meurs pas, je suis trop fort. Bah ouais peut-être, mais moi je joue à la manette, hein, je suis un PCiste donc j'aime pas. Et jouer à la souris, souris et clavier, ouais à la rigueur, mais bon ça changera pas grand chose de toute façon. Ça sert de looter tout ce genre de trucs puisque de toute façon j'ai une armure qui me protège pas suffisamment puisque je meurs en deux coups de cuir à peau. Alors oui ok, je me bats mal, je fais pas ce qu'il faut. Bon, on va tenter le coup avec ce sabre.
Et voilà, exactement ce que je vous expliquais. Tous les monstres sont revenus, donc on recommence. Moi, ça m'énerve. Mais ça sert absolument à rien en plus. Voilà, il fait plus. Bon, je voulais vous en montrer plus, mais j'y arrive pas. J'ai mis déjà plusieurs heures à arriver à traverser la première zone. Que je suis nul, que j'arrive pas parce que ces contrôles, moi c'est pas le genre de jeu auquel je suis habitué et c'est des contrôles qui vont pas parce que c'est compliqué, parce que voilà, on a un super jeu, mais je vais arrêter de critiquer parce qu'on va me dire que je suis un nul. Oui, je suis un nul, j'ai jamais trop joué à ce genre de jeu, les Dark Souls et compagnie, c'est pas du tout mon histoire, et au final, eh ben, je suis pas capable de jouer à un de plus. On dirait qu'ils ont fait exprès de faire des jeux tellement élitistes qu'ils sont réservés à que certains joueurs. Les autres, passez votre chemin parce que vous ne serez pas capable d'y arriver. Eh ben merde, ça me gonfle. C'est trop dommage. Les gens qui arrivent à maîtriser ce genre de jeu, je leur dis bravo parce que. Parce que c'est pas mon cas. Bon, en fait, je me suis un peu calmé. Alors, j'ai trouvé comment passer de l'autre côté. Non, mais c'est le calvaire, en fait. Donc, en fait, oui, c'est ça. De la tour, il fallait descendre sur le toit. Il fallait sauter sur le toit. Faire gaffe, parce que ici, dans le coin, il y en avait deux. Et puis, surtout... il y avait le trou. Alors, ce que j'ai eu la chance de faire, c'est de là où je suis mort, dessous. Je suis d'abord allé le faire. Et ensuite, je suis monté sur les toits. Et donc, en arrivant ici, ben, je suis passé à travers. Et j'en ai emmené un avec moi. Ce qui a fait que ben, je n'avais plus qu'un sur le toit à m'occuper après. Bon. Je reste quand même sur le principe que je suis déçu. Je suis déçu par la façon dont le jeu est... Je critique pas pour critiquer. Évidemment.
comment voulez-vous jouer? C'est pas possible. Faites une erreur, vous êtes mort. Vous essayez de contrer, vous y arrivez pas. Voilà. Et je repars. Avec tous les ennemis, tous les monstres. Et là, j'en ai marre. Et là, j'en ai réellement marre. Non, mais sérieux, bon sang. C'est même pas vouloir mettre un jeu difficile, ça. Je suis dépité. Allez, je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Je suis désolé. Je voulais vous en montrer plus, mais Nioh, ben, j'y arrive pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo pourrie. Amusez-vous, jouez beaucoup. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Salut, bye bye.